On a donc eu, il y a quelques instants, à l'Assemblée nationale, dépôt d'un projet de loi sur les évictions. Donc, oui, pour les personnes... Parce que ce qu'on appelle la loi Françoise David, je vous fais le rappel, c'est deux affaires, un âge puis une durée. Donc, c'était les personnes qui avaient 75 ans et plus et qui habitaient depuis 10 ans et plus dans le même logement. Puis là, on parlait d'étendre ça, on demandait aux gens de 65 ans et plus, mais qui habitent depuis 5 ans et plus dans le même logement. Donc, des gens un peu plus jeunes, moins âgés, et qui sont dans le logement depuis un peu moins longtemps. Pourquoi? Pour couvrir plus de gens, de dire ces gens-là, c'est sûr qu'il ne peut pas y avoir d'éviction. Les évictions ne sont pas permises. Et là, donc, la ministre, il va un peu plus loin avec une mesure, là. Alors, j'ai pas lu, moi non plus, tout le projet de loi, il était déposé il y a quelques instants, mais on comprend que c'est une mesure temporaire pendant la crise du logement, mais qui restreindrait les possibilités d'éviction. Martin Blanchard, porte-parole du regroupement des comités de logement et des associations de locataires du Québec, est avec nous. Bonjour, M. Blanchard. Bonjour, M. Dumont. Bonne nouvelle ce matin, le dépôt de ce projet de loi? Mais certainement que de protéger les locataires aînés qui sont ciblés de façon plus importante que les autres locataires, c'est très important. Pourquoi ils sont ciblés de façon plus importante? C'est tout simplement parce qu'ils habitent leur logement depuis plus longtemps, souvent, et donc leur loyer est plus bas que le marché très à la surchauffe ces temps-ci. Et donc, c'est une occasion pour les spéculateurs là, de faire un profit en les évinçant. Donc, c'est vraiment une bonne chose de protéger ces locataires-là. Cela dit, ce qui pose beaucoup de questions, c'est les mesures temporaires pour les évictions. On n'a pas le texte devant nous. On se pose des questions à ce sujet au regroupement, là, puis on a des revendications vraiment particulières pour la question des évictions, parce que c'est un dossier très préoccupant depuis nombre d'années. Ouais. Dans le cas des évictions d'aînés, est-ce que vous avez des chiffres, des données? Est-ce que c'est vraiment en augmentation ces dernières années? C'est beaucoup de cas? Bien, quand je travaillais dans la petite patrie à Montréal, c'était le tiers des personnes aînées qui étaient visées par des évictions. Le tiers des locataires qui avaient des évictions, c'était des personnes aînées. Qui étaient des aînés, je comprends. Oui, exactement. Et quand je travaillais à la Petite Patrie, c'était un quartier qui était en forte gentrification. Donc, on peut penser que maintenant que beaucoup de quartiers partout au Québec et des municipalités qui sont dans des poussées spéculatives et en gentrification, on peut penser que c'est effectivement le cas, là, que ça peut aller jusqu'au tiers des locataires qui subissent une éviction, qui sont des personnes aînées ailleurs au Québec. Vous souhaitez que ce projet de loi soit adopté rapidement parce que la discussion, tout à l'heure, juste après le dépôt du projet de loi, la discussion est venue. Québec solidaire semblait assez chaud à une adoption. Quand on dit rapide, ça veut dire avant la fin de la session parlementaire, là, à la mi-juin. Le gouvernement semblait souhaiter ça aussi. Est-ce que c'est votre souhait également? Oui, bien sûr, mais ça doit se faire avec des consultations particulières où on invite les intervenants de terrain. Hein, la ministre disait hier qu'elle voulait faire son travail de façon plus humaine. Alors, si on veut être plus humain, ben, il faut entendre les intervenants qui sont sur le terrain, qui sont avec les humains. Il faut être en mesure, justement, d'entendre la parole de ces personnes-là et donc d'inviter le regroupement des comités logements et des comités logements qui sont sur le terrain à venir discuter de ce qui se passe sur le terrain. Et ce qu'on doit quand même souligner, c'est que les évictions, les reprises de logements et les travaux majeurs sont utilisés dans le cadre d'opérations spéculatives où on met les locataires, des ménages locataires, des familles, des personnes seules, on les met à la rue tout simplement pour relouer le logement beaucoup plus cher. Et ça ne s'arrêtera pas l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans. Donc, des mesures temporaires, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait au minimum, là, M. Dumont, c'est vraiment le minimum que ça nous prend, c'est un suivi des évictions, des reprises et des travaux majeurs, qu'on puisse savoir si les travaux ont vraiment été réalisés, qu'on puisse savoir si la reprise est réellement légitime, parce qu'il n'y a aucune surveillance en ce moment. Donc, c'est un peu un banquet ouvert. Je comprends. Non, mais c'est un point intéressant que vous soulevez, parce qu'on a eu le cas, il y a une couple de jours, d'une personne où c'est l'ex-locataire elle-même qui est allée sonner à la porte, demandez au nouveau locataire qui habitait là, me donneriez-vous la permission, s'il vous plaît, de juste prendre des photos de votre appartement pour aller prouver, que, comme vous le dites, que les travaux n'avaient pas été faits? Et elle a eu un dédommagement record là, dans l'histoire, je pense, du tribunal administratif, quelque chose comme 50 000 $. Mais
Le suivi n'était pas fait par les organismes concernés. C'est la personne qui est allée sonner chez un inconnu de son ancien logement pour aller faire la vérification, ce qu'on doit avouer qui est un peu exceptionnel. On ne peut pas demander à tout le monde de faire ça, là. Absolument. Les locataires doivent se transformer en enquêteurs. Et retourner aussi, c'est très traumatisant pour eux comme expérience de se faire mettre à la rue. Ils doivent retourner sur les lieux du crime, pour le dire comme ça, là, sur les lieux où ils ont subi un traumatisme. Et c'est vraiment très stressant pour eux. On a des problèmes de santé mentale. Et ce serait très facile, hein? Les propriétaires n'auraient qu'à déposer une preuve dans un dossier électronique que le projet a vraiment été réalisé. C'est tout ce qu'on demande, M. Dumont. C'est vraiment tellement peu. Et on ne peut pas... Je ne peux pas croire que les associations de propriétaires vont dire « on encourage la fraude, on encourage des opérations spéculatives qui sont illégitimes ». Donc, ce qu'on demande, c'est un minimum que je pense qui est acceptable socialement. Dernière question rapidement. Est-ce que ce projet de loi raccommode un peu votre confiance dans la ministre Duranceau? Les organismes comme le vôtre avaient été assez critiques à son endroit? Bien, il va falloir voir qu'est-ce qu'il y en est pour la suite. On constate que là, on parle d'une ouverture, d'un visage plus humain. Bien, si c'est le cas, bien entendu qu'on pourra se raccommoder là, si on continue sur cette pensée-là. Ça reste à voir. Martin Blanchard, merci d'avoir été là. Au revoir. Merci.